Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'ATEC. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette innovation qui pourrait bien révolutionner le secteur des énergies fossiles avec un nouveau type de plastique. Bien qu'il ne s'agisse pas réellement du plastique, mais d'un matériau naturel, des usages pourraient remplacer de nombreuses utilisations du verre et du plastique. Dans le contexte de réchauffement climatique et de transition énergétique, la course aux matériaux de construction économes en énergie est lancée. Dans cette catégorie, des chercheurs présentent aujourd'hui un matériau qui assure un éclairage naturel confortable et une bonne isolation thermique. Il s'agit du bois transparent. Les composites de bois transparent pourraient changer la donne pour la fabrication de pare-brise de voitures, d'emballages transparents et même de dispositifs biomédicaux. En plus d'être rentable à la fabrication, il serait 5 fois plus efficace que le verre, ce qui permettrait de réaliser d'importantes économies d'énergie. Que diriez-vous d'un matériau de construction qui laisse passer la lumière tout en vous protégeant des regards indiscrets? D'un matériau résistant, d'un matériau plus isolant que le verre et qui en plus serait esthétique. C'est le matériau presque parfait que des chercheurs de l'Université du Maryland ont mis au point pour la réalisation des plafonds, des toits ou des murs de nos futures maisons. Ce matériau, ils l'ont développé à partir de bois, plus exactement à partir de sapin de Douglas. Les précédents travaux utilisaient des produits chimiques pour éliminer la lignine pour rendre ce bois transparent à la lumière, mais tout en conservant toutes les autres structures du bois. Pour comprendre ce qu'est la lignine et quel est son rôle dans le bois, voici une courte explication. La lignine est l'un des principaux constituants du bois, le deuxième en importance après la cellulose et l'hémicellulose. Ainsi, elle est présente dans la plupart des plantes vasculaires et dans quelques algues. La lignine est biosynthétisée par les plantes à partir de la phénylalanine, un acide aminé issu de la transformation de la cellulose. On la retrouve principalement sous trois formes de monomères basées sur le squelette du 4-hydroxyphénylpropane. Ces trois monomères diffèrent par le nombre de groupements méthoxyles OCH3, portés par le cycle aromatique 0 pour l'alcool p-coumarylique, 1 pour l'alcool coniférylique et 2 pour l'alcool snapylique. Ils se combinent de manière différente chez chaque espèce de plante. Par exemple, l'alcool coniférylique est très abondant chez les conifères, tandis que l'alcool synapylique est le plus courant chez les plantes de la famille des angiospermes. Néanmoins, ce processus pour éliminer la lignine est un processus qui prend du temps, produit beaucoup de déchets liquides et entraîne un bois moyennement résistant. Cependant, les chercheurs de l'Université du Maryland ont trouvé un moyen de rendre le bois transparent sans avoir à enlever la lignine. Tout d'abord, les scientifiques ont utilisé des planches de bois d'un mètre de long et d'un millimètre d'épaisseur. Ceux-ci ont simplement appliqué une solution de peroxyde d'hydrogène, souvent utilisée comme désinfectant, à l'aide d'un pinceau ordinaire. Ces planches sont ensuite laissées au soleil ou sous une lampe UV pendant une heure environ. Grâce au peroxyde, le bois devient blanc, il ne reste alors que les composants inorganiques et les molécules résistantes du bois comme la cellulose. À ce stade, les planches ont perdu de leur opacité et sont déjà presque transparentes suite à l'oxydation. Après avoir trempé le bois dans de l'éthanol pour éliminer les saletés, l'étape suivante consiste à imprégner le bois d'une résine époxy transparente résistante conçue pour un usage marin. Celle-ci remplit les espaces et les pores du bois, puis durcit. Le bois blanc devient alors transparent. La résine époxy permet au bois de laisser passer 90% de la lumière. Le résultat ressemble beaucoup à du verre avec la force et la flexibilité du bois. De plus, selon l'étude publiée dans la revue Science Advance, le bois modifié est plus de 50 fois plus résistant que les autres bois transparents développés avec des méthodes impliquant l'élimination complète de la lignine. Le verre pourrait bientôt lui aussi être doté de nouvelles propriétés, puisqu'une équipe de scientifiques japonais a développé un verre capable de se réparer tout seul. Les constructeurs d'habitations pourraient être intéressés par ce bois transparent car le bois est plus résistant que le verre. Cependant, malgré de nombreux efforts, le bois transparent n'a jamais été utilisé à des fins commerciales, principalement en raison de la façon dont il était fabriqué. Cette nouvelle méthode, peu coûteuse et à la portée de tous, pourrait bientôt révolutionner les maisons écologiques de demain. Parier sur le bois comme matériau d'avenir est un choix judicieux. Et pour cause, le bois est une ressource abondante qui peut jouer un rôle prépondérant pour répondre aux enjeux environnementaux actuels et pour la mise en place d'une économie biosourcée. Il s'agit d'une ressource renouvelable, un véritable produit de substitution au regard des ressources fossiles qui se raréfient et dont les prix sont appelés à croître.
Ces substitutions peuvent se faire dans les domaines de la production d'énergie, de la construction de bâtiments, de la fabrication de molécules chimiques nouvelles et dans la production de nouveaux matériaux composites comme le bois transparent. Le bois est une matière première de choix dans toute démarche d'éco-conception visant à développer de nouveaux produits à faible impact environnemental. Enfin, une exploitation raisonnée de la forêt permet de maintenir dans le pays un puits à carbone contribuant à réduire l'effet de serre par le stockage du CO2. Actuellement, l'homme produit environ 400 tonnes de déchets plastiques chaque année, avec des quantités toujours plus importantes de plastique à usage unique. Le bois transparent peut remplacer les plastiques pétroliers nuisibles à l'environnement tels que le polypropylène, le chlorure de polyvinyle PVC, le polyéthylène, l'acrylique, etc. Le scientifique allemand Sigrid Singh a fabriqué en premier le bois transparent en 1992 et le matériau a depuis été amélioré par des chercheurs du monde entier. Comme nous avons pu le voir, des procédés plus modernes et plus accessibles ont été développés. Des solutions commerciales apparaissent de plus en plus pour promouvoir divers usages de ce produit encore méconnu. Aujourd'hui, ce bois a des qualités qui en font un matériau de choix. Biodégradable, aussi solide que du verre, plus résistant et plus léger que le verre, isolant et lumineux. La majorité du bois transparent est développée à partir de fines tranches de bois, ce qui signifie qu'il possède la résistance du matériau d'origine tout en étant plus léger. Certaines entreprises ont même commencé à le commercialiser. C'est le cas de Wudu. Ils ont remplacé le verre par un polymère via un procédé de chimie verte. Il est imputrescible, plus résistant au feu et translucide lorsqu'il est coupé en lames fines. Il peut servir à la décoration, par exemple d'automobiles, mais aussi à terme à des plaquages pour des habitations. Une solution pour l'isolation a notamment été développée face à la demande sur ce secteur et aux qualités de ce type de matériaux. Les plastiques sont utilisés pour remplacer le verre qui est naturellement fragile. Cependant, le bois transparent est une alternative encore meilleure d'un point de vue écologique. C'est en effet la position de Produit Dar, l'un des auteurs de l'étude et professeur adjoint à l'école d'ingénierie biochimique de l'Indian Institute of Technology. Cette étude permet différents procédés de ceux de l'Université du Maryland en reprenant les vieux procédés d'élimination de la lignine notamment. Grâce à ces travaux récents et aux startups qui proposent des produits selon la demande des secteurs, on peut espérer voir le bois transparent dans nos maisons d'ici quelques années. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche des notifications pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur Atech.